Salutations, c'est le Corbac. Donc aujourd'hui, je vais faire un test d'un jeu, voilà, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps et dont je n'ai pas du tout joué. Donc c'est un jeu qui est tiré d'un manga et animé qui est sorti au Japon et qui est arrivé en France et qui passait à la télé à un moment. Maintenant, je ne sais pas s'il passe toujours, mais je ne crois pas. Et c'est une série que j'aimais bien, voilà. Et j'ai vu qu'il y avait un jeu de cette série qui était sorti sur la Wii. Donc il s'agit de Détective Conan, Enquête à Mirapolis. Alors, je ne connais pas du tout le jeu, comme je vous l'ai dit. Donc ça va être une vidéo découverte du jeu. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'il est sorti, j'ai même pas regardé. Alors est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est écrit quelque part? Je crois que c'est 2008. 2008. Bon, bah écoutez, voilà, je vais allumer le jeu et puis on se retrouve dans pas longtemps. Alors, juste avant, je voulais dire que voilà, ça sera certainement ma dernière vidéo pendant un bon mois parce que je vais préparer le Montpellier Ingame qui arrive en novembre. Je vous avais déjà fait une vidéo du premier, enfin, du second Montpellier Ingame et je vais peut-être refaire ça cette année. Et je vais peut-être aussi participer à un concours de développement amateur. Et du coup, là pour l'instant, je pense que je vais arrêter un petit peu les jeux vidéo histoire de préparer un peu tout ça. Et de voilà, de préparer mon pain game pour sortir quelque chose de correct. Et donc voilà, ça sera mon dernier test pendant un bon mois. Après, je reprendrai les tests normalement. Mais de toute façon, pour vous, ça changera pas grand-chose vu que j'ai déjà quelques vidéos d'avance. Notamment une autre vidéo que j'avais enregistrée avec Monsieur Offspring il y a peut-être une semaine de ça. Donc voilà. Bon allez, on se retrouve tout de suite sur la Wii. Et nous revoilà, voilà, j'ai lancé le jeu. Je suis désolé, il y a une petite coupure. Rien de grave, hein, vous avez rien raté, je viens juste de lancer le jeu. Mais j'ai vu que ma vidéo s'enregistrait en NTSC alors que la Wii est en PAL. Du coup, j'ai relancé la capture, mais pour vous, il n'y aura aucun souci. Donc là, on voit l'opening du jeu, enfin la séquence d'intro. Donc c'est pas mal, on reconnaît la musique, c'est une musique qu'on retrouve dans l'animé, donc c'est pas mal. Donc on voit Détective Conan qui est en train de rechercher le coupable. Oh. Un ballon de foot miniature qui se transforme en vrai ballon. Allez. Detective Conan, the Mirapolis Investigation. Detective Conan. Bon, en tout cas, déjà les voix sont en anglais. Enfin, j'aurais préféré avoir les voix en français, mais bon. Je vais voir quand même s'il n'y a pas moyen de changer ça. Et non. Bon, ben, je vais mettre. Qu'est-ce que je mets? J'ai bien envie de mettre voix en japonais. D'ailleurs, je connais pas les voix japonaises, hein, je connais que les voix françaises. Donc bon, on va mettre japonais. À vitesse message rapide. Parce que bon, c'est assez chiant quand même quand les messages arrivent lentement. Quitter. Et donc on va starter la partie. Donc apparemment à droite il y aura certainement l'option continuer, mais bon vu que là j'ai pas commencé de partie, on a le choix que pour nouvelle partie et option. Donc vous voyez que là je bouge l'espèce de cible avec la Wiimote. Hop là. Ah, attendez, je remets la sensor bar comme il faut. 12 ans plus tôt. Mazui,
廷で争うと息巻いている。裁判で横領事件が偽装だって証拠が上がったら私たちどうなる。さあ、nous devons le tuer。Le gros cliché. Ah. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah, donc voilà Conan. Je monte un peu le son de mon côté parce que j'entends pas grand-chose. Voilà, donc je vous laisse un petit peu lire le texte, hein. Je parle pas trop parce que je découvre le jeu en même temps que vous. À part si vous connaissez déjà, mais... Aïe, je connais pas ce personnage. C'est un personnage qui est apparu assez tardivement dans la série. Et comme moi j'ai surtout vu les premières saisons... Aïe, je crois que je l'ai très très peu vu et je connais pas vraiment ce personnage. Nah. Ah putain, mais je connais cette voix. Ah, la voix du gamin à gauche, là, je connais sa voix. J'ai déjà entendu. Ah, à chaque fois il y a ces trucs là. Kogoro Mori qui veut jamais se faire suivre par les gosses et t'as toujours tout le monde qui le suit à la fin. Qu'apparemment. Alors, qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? Je connais cette voix. Putain. Qui c'est qui a cette voix là? Déjà, c'est une doubleuse féminine. C'est une fille qui double ce mec, mais putain. Je connais cette voix, je suis obligé. Tayamashi! Ah putain! Ah oui, c'est Chopper de One Piece. Il a la même voix que Chopper de One Piece. Voilà, j'ai trouvé. Je savais bien que je connaissais cette voix. Voilà, c'est si vous connaissez bien One Piece et que vous écoutez la voix de Chopper, c'est exactement la même que Mitsuhiko. Voilà, et c'est une doubleuse qui double ses personnages. Je sais pas le nom, hein. Par contre, je pourrais pas vous le dire. Vous regardez ça sur Google et vous le saurez. Oli. Dame, dame. Moi j'aime beaucoup le design de Ran, elle est franchement bien bien faite, je veux dire dans le chara design, enfin je veux dire elle a la classe quoi. Alors pour ceux... Alors oui, j'ai quand même... Qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même oublié de préciser une chose très très importante. Pour expliquer un petit peu la série. Pour ceux qui connaissent pas Conan, en fait c'est un ado, enfin je sais plus quel âge il a, mais vers les 18 ans à peu près, qui se retrouve un jour empoisonné par des mafiosos.
Et en fait, les mafiosos pensaient que ça allait tuer Conan. Mais en fait, à la place de le tuer, ça l'a rétréci en taille et il est devenu un gamin. Et suite à ça, bah, détective, en fait, il a choisi de s'appeler sous un pseudonyme, donc le détective Conan, parce qu'à la base il s'appelle, je m'en rappelle plus. Enfin, il y a une histoire comme ça où il choisit ce nom, donc de Conan et d'Ogawa. Parce qu'à la base il s'appelle Shinichi, je crois, il me semble. Bref, et à l'aide d'une connaissance qui fait des merde, putain, oh là là, ça fait trop longtemps que j'ai pas vu cette série. Enfin, un espèce de scientifique, voilà, qui lui file des gadgets pour pouvoir résoudre les enquêtes, dont un modificateur de voix qui lui permet d'avoir la voix de n'importe qui. Un outil qui lui permet d'endormir à chaque fois Mori. Donc Mori, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure avec les petites moustaches. Et en général, en fait, Conan se fait passer pour Mori pour résoudre les enquêtes, en l'endormissant et en changeant sa voix contre celle de Mori. Et du coup, en fait, à chaque fois, tout le monde croit que c'est Mori qui résout les enquêtes, mais en fait, c'est le détective Conan. Et c'est pour ça que cette série, moi, je la trouve pas mal, et que je voulais vous faire une vidéo de ce jeu, donc une vidéo découverte. Donc voilà, on va continuer après cette petite explication pour les gens qui ne connaîtraient pas encore cette série. Ouais, quand je dis Mori, je parle du père, hein, je parle pas de Ran. Hi! Tchit! Bon, pour l'instant, on peut pas trop bouger, il y a que des séquences scriptées. Alors, on voit que le jeu est en 3D, hein, les modèles sont en 3D. Yamashaimase! Moé moé! Kyou! Non, mais tu m'étonnes qu'on compte sur nos moé! Moi, moi. Putain, je connais cette voix aussi. Je suis sûr que c'est celle qui fait Minorine dans Toradora. Oh putain, c'est elle. Attends, c'est quoi, c'est je suis presque sûr que c'est Yui Horie. Je suis presque sûr. Je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, elle a une voix qui lui ressemble. Celle qui fait Ayu Tsukimiya dans Canon. Pourquoi c'est pas sûr en fait. Donc elle s'appelle Moe Kazuya, non? Un truc comme ça. Moe Moe. Putain. Ah là ça va me tuer. La fille en servante qui s'appelle Moe, voilà. Je vais être obligé de sortir le Moe Moe toutes les 3 secondes. Moe Moe. Kyun. Date. En tout cas, c'est marrant que la plupart des personnages masculins des séries comme ça sont pour la plupart doublés par des personnages féminins, comme par exemple Krillin et Sangoku, même Sangohan, je pense, sont doublés par des filles. Pareil pour Luffy de One Piece, c'est une fille qui double sa voix.
Je parle de la version japonaise, hein, bien entendu. Même dans la version française, je crois que Krillin est doublé par une fille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage comme ça? Je crois qu'il y a Kenshin aussi, de Rurouni Kenshin, qui est doublé par une fille. Enfin bref. Donc Conan est doublé par une fille, l'autre là, le gamin, je sais plus comment il s'appelle. Ouais. Bon allez, on va avancer un peu plus vite. Ouais. Oh cool, on va pouvoir voir des jeux. Cool. Moi et Kim! Ah, ça y est, on la voit plus. Elle va me manquer. Ah non, elle est là encore. Donc là, on va découvrir des nouveaux personnages. À chaque fois, c'est comme ça. On découvre au fur et à mesure les personnages qu'on ne connaît pas, qui se présentent au fur et à mesure. Tel nom, avec tel âge. Ah, moi, je fais partie de ça et tout ça. Et donc là, on est dans une salle de spectacle, non? Quelque chose comme ça? Non. Alors. Et appuie sur le bouton A pour parler. Discute avec le plus de personnes possible pour rassembler un maximum d'informations. Alors. Oh, cool, attends. Alors, on peut marcher normalement. Ça, c'est quoi ça? Skateboard, énergie solaire. Badge des DJ. Attends. 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 Tu m'expliques comment je fais pour. Je sais pas quand est-ce qu'il court, quand est-ce qu'il marche. Ah, en fait, il faut rester appuyé un long moment. Ok. Et ça fait quoi ça? Attends. Badge des DJ. Ça fait rien du tout. Bon, déjà, je vais prendre le skateboard. Hop là, petit skateboard. Ah, attends, qu'est-ce que c'était ça? Oh, c'est quoi ça? Alors apparemment c'est un magicien. Kyoichi Kurosaki. Une photo. Allez. Voilà, on va discuter un peu avec tout le monde. J'adore les enfants.
Ok. Alors lui, c'est qui, c'est... Attends. Comment ça se fait que la caméra s'est rapprochée? C'est à cause de... Attendez, parce que là, je suis encore en train de tester un petit peu le maniement. Ah, attendez. Ah, ok. Apparemment, voilà, avec la touche, je crois que c'est Z, je peux regarder dans la direction où je... Donc ça, c'est pas mal, parce que quand on a des problèmes de caméra, c'est vachement utile. Bon, alors, lui, c'est qui? Donc, c'est un employé. Hop. Alors, elle, c'est qui? Voilà, une dame qu'on ne connaît pas. Bah, lui aussi. Donc, apparemment, je pense que c'est un gars qui est... qui doit utiliser sa voix en tant que... Ah, ouais, je peux pas aller ici. J'ai parlé à tout le monde, non? T'es allé là? Ok. Ah, attends, je vais peut-être aller lui reparler. Ah, Moé Moé. Voilà. Elle a deviné juste. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu de gameplay à proprement parler. Je pense que c'est plus un jeu d'enquête un peu à la Phoenix Wright. C'est-à-dire qu'on se déplace un petit peu partout, on discute avec les gens. Et puis, comme ça, on amasse des preuves et compagnie. Et puis, comme ça, ça permet de résoudre les enquêtes. Je pense que voilà, c'est un peu dans le style de Phoenix Wright, ce jeu. Me déplacer. Ah voilà. Alors on va déjà demander pour lui. Voilà donc. Donc comme on le voit, on apprend certaines informations sur les personnages. Et en fait, c'est les informations qu'on va devoir retenir pour résoudre les enquêtes. Voilà. Alors ensuite, cocaille. Et pas un couramment français. C'est génial. Elle a fait ses études à l'étranger et voulait devenir gymnaste olympique. Moi et moi. Rockefeller des temps modernes. À mon avis, je pense que lui, il va pas tarder à mourir. Je sais pas pourquoi, mais en général, c'est toujours le directeur ou le gars comme ça qui meurt dans Détective Conan. Hop.
Ok. Allez, on va voir elle. Seulement sa secrétaire de Monsieur Kai. On raconte qu'elle est aussi sa maîtresse. Ok. Voilà. Ça s'est terminé automatiquement lorsque j'ai eu toutes les infos sur tous les personnages. Nanchatte. T'es ses yeux. Ah, Yumi. Bon, sur ce genre de jeu, le début est souvent très long. Quand on est déjà à 25 minutes de vidéo, c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire. Arigato gozaimasu. Mirage. Allez, c'est parti les emmerdes. Allez. C'était sûr qu'ils allaient nous foutre des emmerdes, ces deux-là. Alors, ce qui est sympa dans ce genre de jeu, c'est que souvent on est dans des espaces clos. C'est-à-dire qu'en fait, ça sera forcément des personnages de ce lieu qui vont être impliqués dans l'histoire. Conan-kun, Ika. Chopper. C'est quoi déjà ces attaques à Chopper? Point ball. Viens, je vais te faire un bisou sur la bouche. Il va tomber amoureux. Allez. Cliché. Cliché. Il tombe amoureux. Oh là 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 là. Je suis sûr de moi, c'est bon, il est amoureux maintenant. Oh là là, non mais... Voilà, ce jeu, c'est bourré de clichés. Faut pas... pas chercher... J'étais sûr... Le coup du... Ah, je tombe. Aïe, j'ai mal. Ah, et la fille qui arrive et qui la soigne. Et là... Ah, je suis tombé amoureux. Alors... Je suis où, là? J'ai même pas lu où est-ce qu'on allait. Apparemment, on est dans une salle d'arcade, je sais pas pourquoi. Alors, apparemment, peut-être que Conan les a suivis pour aller jouer. Alors, on va peut-être voir s'il y a des références. Ça, c'est quoi ça? Asuni, je connais pas. Là, il y a des... comment ça s'appelle ça déjà, ces trucs? Ah, merde, j'ai oublié le nom. Ah, merde, je l'avais sur le bout de la langue.
Enfin, c'est dans les salles d'arcade, souvent il y en a plein parce que pour rentabiliser les salles d'arcade, il y a ces petits trucs là avec les manches là qui descendent et on n'arrive jamais à rattraper les jouets. Alors ça ressemble un petit peu à une borne d'arcade DDR, même si ça a l'air d'avoir rien à voir. Yaiba Mask. Je pense que ça c'est une référence à un truc dans l'univers détective Conan. Je pense que c'est un... Ah oui, peut-être. Il me semble bien que Yaiba Mask c'est une série virtuelle qui existe dans la série détective Conan. Parce que souvent les personnages là, les gamins, ils regardent une série à la télé et il me semble que c'est ça. Alors on va discuter avec elle. Alors qu'est-ce que c'est que ça là, des fois qui s'affiche là, indice. Attends, je rêve. On dirait qu'il y a une figurine de détective Conan à l'intérieur du truc. Attends, mais je rêve là. Ah putain, merde. C'est pas une figurine de détective Conan ça? Juste devant moi là. Je sais pas. Bon. Putain, j'ai oublié le nom de ces machines. Il y a un distributeur, on peut rien faire avec. Là, on peut rien faire. Ah là, il y a des jeux de combat. Classique. Ah, génial! On entend des sons. Ah, bah, c'est sûrement Mori qui joue. Pour essayer de gagner un peu d'argent. C'est bizarre, cette machine doit être cassée. Est-ce qu'on peut jouer? Ah, ça serait vraiment énorme si on pouvait jouer. Donc là-bas, j'ai vu, on pouvait pas faire grand-chose. Voilà. Allez, descends. Attends, comment on descend du skate déjà? Ah, comme ça, voilà. Est-ce qu'on peut jouer? Non, on peut pas jouer. Ah oui, mais je suis con, les mineurs n'ont pas le droit de jouer. Quoique, peut-être à ça. Oh, énorme! Énorme! Alors, quand une top sort du tuyau, tape là avec le marteau. Ah, j'ai pas eu le temps de lire! Ah, ok. Sort du tuyau, tape là avec le marteau pour la faire redescendre. D'accord. Je pense avoir saisi. On va voir ce que ça donne. Donc, avec la Wiimote. Oh! Voilà. Ah, ok. Allez, bordel! Ta mère! Mais, oh! Allez! C'est quoi cette reconnaissance de merde? Oh! Mais putain de merde! C'est quoi cette merde? Ah, par contre, sur la gauche, sur la droite, là, ça marche un peu mieux. Allez! Ta mère! Bordel de queue! Comme dirait le Hooper, bordel de queue! Putain. Allez, je fais n'importe quoi. Et le pire, c'est que ça a l'air de marcher. Je fais absolument n'importe quoi, là. Oh! Allez. Voilà. Boum. Boum. Mais putain, mais c'est quoi cette... Mais regardez-moi ce marteau de merde. Ah là, mais c'est mal foutu. Putain. Je tape à droite, ça tape en bas. C'est n'importe quoi. Et j'ai réussi à faire quand même 30. Ah non, non, c'est de la merde. Reconnaissance Wiimote 0, là. 0, non mais absolument 0. Quand je tape en haut, ça tape en bas. Quand je tape à droite, ça tape en bas. Oh. Ah, on peut obtenir des bonus apparemment. Je sais pas à quoi ça sert. Bon, écoutez, on va aller ailleurs parce que bon, c'est un jeu pourri. Alors. Ok. Bon, c'est assez con, je trouve. Voilà, je n'ai rien à faire ici. On a des portes, mais dans lesquelles on peut pas aller. Ah, on peut aller voir AI, je crois qu'elle s'appelle. Attends, c'est quoi? C'est un shooter, ça? C'est des shooters. Ah oui, on voit un shooter qui se passe dans l'espace, un autre... je sais pas quoi. Et là, on dirait que c'est un Danmaku. Voilà. Des grands classiques. Genta.
Est-ce qu'il n'y a pas un autre jeu sur lequel on pourrait jouer? Je sais pas. Attends, ça c'est la top là qu'on a fait? Ouais, c'est la top. Alors. On peut pas lui parler à elle? Peut-être là. On peut pas passer là. Oh là là, non, mais ce mur invisible. Oh non, mais... J'aurais aimé voir sous la jupe. Voilà. Peut-être là. Peut-être là. J'ai pas essayé tout à l'heure. Oh là là, c'est énorme. Ah, mais si c'est comme tout à l'heure là. Allez, voyons voir. Genre! Merde. C'est quoi le but? Merde. C'est quoi le but là? C'est quoi cette merde? Je vois écrit puissance en bas, j'essaie de faire quelque chose. Putain. Bon, on va réessayer un petit coup, et puis sinon tant pis. Attends, on va quand même essayer de voir. Alors, maintiens le bouton B et balance la télécommande Wii en avant pour un Yaiba Punch. Ah, ok, bah si. Si je savais pas ça, je risquais pas de faire grand chose. Voilà. Allez. Bon, ben on va essayer. Ok. Allez, c'est bon, allez. Ta gueule. Voilà, allez. Kamen Yaiba! Kamen Yaiba! Merde. Ah oh, putain ta mère. Quoi? Bon, laisse tomber. Laisse tomber ce jeu. Allez, c'est bon, je me casse. Sérieux quoi? Bon alors, il faut parler à qui là? Bon. J'espère pas qu'on est obligé de finir tous les jeux pour gagner. Alors. Ah, j'ai pas parlé à lui, je crois. Ok. Oula. Il faut peut-être reparler à Ran. Toujours pas. En tout cas, c'est vachement pratique ce skate. Un disque nan progression. Qu'est-ce que c'est que ça? Badge des DJ. Je peux rien faire ici, je peux toujours rien faire là. Enfin, j'espère pas qu'on va être bloqué quand même. Bon, on a tout fait là. Peut-être retourner là-bas. C'est pas le moment d'aller voir ailleurs. Bon, le jeu est quand même pas mal scripté. Hein. On a vu le... Ah, peut-être ça que j'ai pas fait. Le jeu est quand même pas mal scripté dans le sens où le jeu nous fout des petits trucs du genre ouais, il y a des portes là, mais tu peux pas t'y rendre. Bon, peut-être que par la suite, je suis peut-être mauvaise langue, et peut-être que par la suite on pourra accéder à ces zones, mais en tout cas pour l'instant on peut pas.
Alors, va y avoir ce Asumi là, ou Asuni. Asuni. Je repère un ennemi, dépêche-toi de viser. Ah, ok, bah, c'est un shooter. Ok. C'est un shooter. Alors, on va Mission essayer de. De bien start. jouer. Mission commencée. Ok, bon, c'est assez chaud de jouer. Allez, ta gueule. Oh! Ah merde, il faut recharger. Ok, bon ça va, la jouabilité est déjà meilleure que Kamen. Kamen quoi déjà? Kamen Yaiba? Voilà, je recharge, un petit coup là. Prends ça, prends ça! Boum! Boum! Ah! Oh là! Ah merde, j'ai pas vu le. Mais aussi avec cette fumée, tu veux. Je risquais pas de voir le tir. Boum! Recharge, allez! Boum! 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 Je recharge. En tout cas, ça donne mal aux mains là de tenir la Wiimote comme ça. Ouh là! Ouais, vas-y, tu sais. N'importe quoi. Ah merde! N'importe quoi, t'as la 4 qui tire en même temps dessus. Qu'est-ce que tu veux te protéger des 4 en même temps. Bon. C'est pas tout ça, mais. J'aimerais en voir un peu plus du jeu, tu vois. Voilà. Oh! Ok, allez. Là-bas. Je lui parle plusieurs fois, on sait jamais s'ils ont plusieurs trucs à dire. Mais bon, on va y voir comment ils se démerdent. Ah, ça y est. Enfin! Est-ce que je peux y jouer? Non. Bon, on va devoir chercher un chiffon. Super! Écris la poste ici. Continuez, oui. Voilà, ça, bon, en tout cas, voilà, et je pense que ça va être une succession de petites enquêtes. Bon, là, c'est un truc à la con, mais. On peut voir les notes. Non. Pas ça. Ah. Et voilà. Ah, déjà. Sauvegarder. Voilà. Continue la partie, oui. Carte des relations. Ah, ça, c'est pas mal. Donc voilà, si jamais par exemple on reprend le jeu après un certain temps, on n'est pas perdu. Voilà, Moe. Suivant, employé de Mirapolis qui joue et détective sur son temps libre, connaît de nombreuses informations sur les invités de l'ouverture de Minneapolis.
vu ça tout à l'heure. Sauvegarder en enchaînement. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour l'instant, je peux pas utiliser ça. Carte. Annexe. Ok. Donc, il n'y a que 4 lieux pour l'instant. Grand titre, non. Note. Alors, acte 1, c'est quoi ça? Quasi qui avait apporté son mouchoir, mais il ne le retrouve plus, ok. Bon, allez, c'est parti, on va partir à la recherche du mouchoir perdu. Ok. Elle va me rien dire, hein. On peut pas lui parler. Allez, dépêche-toi. Je ferais bien de prendre des notes, mais tu les as les notes déjà. Alors. Ok, donc lui il me dit pas plus. Hop là, peut-être que c'est dans la poubelle. Non, c'est jamais, hein, peut-être qu'il a foutu le mouchoir dans la poubelle. On peut toujours pas aller là. Allez. Putain de caméra, voilà. Est-ce qu'il y a des gens ici? Alors attends, Ran, j'ai déjà parlé avec elle. On sait jamais si elle m'a dit d'autres choses. Non. Ah voilà, ben, je vais peut-être pouvoir parler à Genta maintenant. Genta. Merde, il est où déjà? Bon, il... Oh, il... Non, il est derrière. Oui, c'est bon, j'ai compris maintenant. Je ferais bien de prendre des notes. 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 Je sens que ça va être un truc à secouille. Le bouton 2 ne sert à rien, d'accord. Bouton 1. Mais on le sait déjà qu'il y a le mouchoir. Ok, alors ça c'est quoi ça? Ok. Donc voilà, c'est une sorte de petit tutoriel en fait, hein. Ah, je sais.
Attends, c'est quoi déjà ce qu'on veut? Ouais. Ah, ok. Bon. Bon, pour l'instant c'est un peu du random hein. Bon, ça forcément ça me sert à rien. Utilise un indice, appuie sur le bouton 2 et sélectionne. C'est un indice. Non. Ah, attends, on est obligé? Bon, mais on est obligé apparemment. Si, si, c'est ça, ouais. Je confirme, c'est bien ça. Oui. Alors. Voilà. Allez, oui. C'est Kogoro qui a prêté son mouchoir à Genta, ça. Yaiba Masque, mais t'es fou, il est pourri ce jeu. Bon.
Et je crois que AI, le personnage là qu'on voit actuellement à l'écran, c'est aussi un personnage qui a été réduit en taille comme Conan. Mais après j'en sais pas plus sur ce personnage. Tu t'es pas obligé de venir avec moi. Youhou! Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous n'avez pas vu énormément du jeu, mais je pense que ça sera suffisant pour cette vidéo. Youhou! Je suis le maître du monde! Ouh! Attention! Choc! Ah non, il n'y a pas de choc. Ah, si, quand même. Donc, tout à l'heure, il n'y a pas eu de choc. Attention! Boum! Voilà. Bon, je vais peut-être donner un premier avis. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas vu grand-chose. Je pense que ça peut être un jeu intéressant. Mais j'ai pas vu assez de choses pour vraiment en parler. Parce que là, pour l'instant, la première mission, ça avait l'air d'être extrêmement facile. Même si c'était quand même assisté. Genre, on pouvait pas sélectionner des trucs qui étaient mauvais. Donc, voilà. Mais pour le coup des enquêtes, c'est pas mal. Faut voir si ça tient la route. Je pourrais pas vraiment vous dire actuellement si ça tient la route. Là, ce système de lien qu'on a vu. Attendez, je vais vous remettre enchaînement. Voilà. Ce truc là. Pour l'acteur, voilà. Mais en tout cas, graphiquement, bon, c'est un jeu de Wii. C'est un jeu... Ah, pas mal quand même. À la fenêtre, là, on voit un arrière-plan. Bon, je pense que c'est juste une image simple, hein. Il n'y a pas de... Ah, quoique. J'ai peut-être rien dit. Dans le fond, là, on voit un décor, un bâtiment. Il est peut-être en 3D, je sais pas. En tout cas, bon, graphiquement, c'est vrai qu'il y a mieux, mais... Il a une patte artistique qui est quand même pas mal. Bon, c'est vrai que là, on a vu là les, par exemple ça là, les machines sont assez pixelisées, mais bon, c'est pas très grave. Les personnages sont bien modélisés à la pareil que la série. Ah tiens, on peut sortir. On peut enfin bouger, j'ai envie de dire. Je bouge. Bon. Pas mal ce skateboard. Alors après, j'ai pas eu le temps de tester les badges. Ah. Voilà, donc là on peut discuter avec les membres. Mitsuiko. Ok, donc pour l'instant ça sert à rien. Hein, voilà. Les musiques sont pas mal parce que... de ce que j'ai entendu, c'est des musiques qu'on retrouve dans l'animé. Donc voilà, ça c'est pas mal. L'univers a l'air d'être bien respecté, et puis bon, le gameplay... Alors le gameplay à la Wiimote, oui, non, je sais pas. Parce que bon, c'est vrai, là on a vu là par exemple sur le jeu de la top que ça reconnaissait pas franchement super bien la reconnaissance de mouvement de la Wiimote. Alors bon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Si ce n'est que bon, son gameplay a l'air d'être... Les défauts de gameplay du jeu sont certainement liés à la Wiimote et pas vraiment au jeu en lui-même. Donc on peut pas trop leur en vouloir. Voilà, bah, je pense avoir à peu près tout dit.
Un jeu qui a l'air sympa pour l'instant, si jamais il y a vraiment un truc de grand ou faux à la Phoenix Wright. Parce que bon, c'est vrai qu'on est forcé de... comment dire, de le comparer à Phoenix Wright, puisque c'est la référence en termes d'enquête policière et tout ça. Phoenix Wright a des histoires de malades. C'est vrai que la série Détective Conan est vraiment très bonne aussi pour ça, avec des enquêtes vraiment passionnantes. Notamment, par exemple, je me rappelle, au tout début de la série, il y avait une enquête sur un bateau qui s'étalait sur 3 épisodes. Et dans le manga, ça s'étalait sur un volume entier. Une enquête vraiment passionnante, avec de multiples meurtres. Et après, quand on connaît le coupable, on est là. Oh, c'est génial! Enfin, bref. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'enquête, donc forcément... c'est un jeu que je voulais vraiment avoir, ce Détective Conan sur Wii, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de jeux Détective Conan sortis en Europe. Je sais qu'il y en a eu au Japon, mais la plupart d'entre eux ne sont pas sortis en Europe, donc ça fait quand même plaisir d'en avoir un pour une fois chez nous. Donc bon, on va pas râler sur les défauts de ce jeu. Je pense que c'est quand même déjà... vous voyez quand même que le personnage est... pas mal modélisé, hein, vous voyez la coupe de cheveux. Bon, c'est pas d'une toute beauté resplendissante, mais ça reste très très correct. Voilà, je pourrais pas dire du mal de ce jeu parce que bon, j'ai pas joué assez, mais je suis quand même content que ce jeu soit sorti en Europe. Voilà. Peut-être le défaut que je pourrais déjà dire, c'est que voilà, on n'a pas les doublages français. Et honnêtement, c'est dommage parce que les doublages français sont vraiment très bons. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. En tout cas, moi, j'apprécie la voix des personnages de la VF qui sont vraiment bien. Voilà. Sur ce, comme je vous l'ai dit, je vais pas faire de vidéo test pendant un bon petit mois. Je vous filerai quand même les vidéos que j'ai en stock chez moi. Et puis je vous ferai certainement une vidéo spéciale un an de ma chaîne, qui sera justement d'ici un mois. Avec une nouvelle intro que j'ai prévue pour les nouvelles vidéos. Donc vous verrez ça, je vous la montrerai lors de cette vidéo d'ici un mois. Donc d'ici là... portez-vous bien, j'ai envie de dire. Et puis je vous ferai voilà une vidéo spéciale Montpellier Game si mon cœur me le dit. Et puis on se dit à bientôt, à la prochaine. Qui est le plus sidérant Conan, le plus fou et séduisant Conan, un héros.